Il y a un moment dans la vie où tu as l'impression que tout est contre toi. Tu as l'impression que tout ce que tu fais se voit à l'échec. Tu as l'impression que le monde entier est contre toi. Pourtant, tu n'as rien fait. Pourtant, tu n'as rien fait, mais malgré tous les efforts que tu fais, malgré tout l'engagement que tu donnes, rien ne marche véritablement comme tu veux. Aujourd'hui, je veux parler effectivement de cela. J'aimerais qu'on fasse un petit échange sur ce sujet, afin que tu comprennes quelque chose. À tout à l'heure. Salut à toi, bienvenue sur le Réveil de l'Afrique. Je suis Olivier Dongué. Ici, je parle à tous les Africains et à toi en particulier, car je suis convaincu qu'ensemble, on peut relever le niveau de notre continent qui a absolument besoin de chacun de nous pour montrer sa splendeur. Si tu es nouveau ici, je te prie de t'abonner à la chaîne, d'activer surtout la cloche de notification et surtout d'aller dans la barre de description télécharger gratuitement ce petit livret intitulé Les 7 raisons de croire au Réveil de l'Afrique. C'est un livret qui va tout simplement te montrer les forces de l'Afrique. Il y a des moments vraiment dans la vie où tout est vraiment difficile. Oh, malgré les efforts que tu fais, malgré toutes les études que tu as faites, c'est difficile. C'est difficile de trouver un emploi et bien même quand tu en trouves un, c'est compliqué même d'être rémunéré. C'est difficile qu'à la fin du mois, on puisse te donner ce qui t'est dû. Je sais, tu as l'impression que même la nuit, tu n'arrives pas à dormir, tu as beaucoup de problèmes et généralement, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a quelqu'un qui nous a attachés, il y a quelqu'un qui a fait ci, il y a quelqu'un qui a fait ça. Dans cette vidéo aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important qu'on puisse parler de ça. C'est vraiment important que quand des situations comme ça arrivent, quand des situations comme ça arrivent dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un qui t'est cher, la première des choses que tu devrais faire, la première des choses que tu devrais vraiment faire, c'est de croire toujours. C'est de continuer à croire. Quand les situations comme ça arrivent, quand les situations comme ça arrivent, pour toi dans ta vie, dans la vie de ton frère, ou alors même d'une personne qui t'est chère, je pense que c'est le moment de croire encore plus. C'est le moment de véritablement croire encore plus, parce que c'est important. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie juste pour tester, pour voir ta force, juste pour tester, pour voir si vraiment ce à quoi tu tiens. Ce à quoi tu rêves, ce que tu veux réaliser, tu es capable de l'atteindre. Tu es capable de résister à une petite tempête qui arrive. C'est pourquoi il y a certaines difficultés. Et je profite de ça pour te parler un peu de moi. Parce que beaucoup me connaissent juste comme Olivier, donc, comme quelqu'un qui parle de l'Afrique, qui discute. Mais moi aussi, à un moment de ma vie, il est arrivé quelque chose vraiment de très difficile. Quelque chose que je dirais même, j'avais pas idée, je pensais pas que c'était possible que cela puisse m'arriver à moi. Oui. Généralement, chez nous, au lycée, on a une classe entre la seconde et la terminale, qui est la première. Et cette année-là, on a composé le probatoire. Sincèrement, j'avais 12 de moyenne à l'école. Et l'examen, en réalité, parfois, on prenait jusqu'à 9. Imaginez. Tu as une moyenne comme ça, mais à l'examen, tu t'en vas composer. Je vous épargne vraiment les détails parce que ce qui est arrivé à la fin, c'est que j'ai pas eu l'examen. C'est vrai, tout le monde avait tellement mal pour moi. Les gens souffraient même plus que moi, je vous assure. Il y a des personnes qui ne pouvaient pas imaginer, qui ne réalisaient pas qu'il n'y avait pas mon nom parmi ces résultats. On m'a même conseillé de faire les recours, de demander. Si je vous dis que ça ne m'a pas fait mal, je vous mens. Mais je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment-là, j'ai essayé d'être fort. J'ai essayé d'être vraiment très fort. Et surtout, tenir la main de mes amis, de mes sœurs, qui avaient aussi échoué, pour leur dire que ce n'est pas terminé. Pour leur dire que ce n'est que le moment. C'est maintenant que ça commence. Et je vous assure que, à partir de ce moment-là, j'ai eu le déclic dans la vie. À partir de ce moment, j'ai eu le déclic dans tout ce qui est arrivé par après. Pourquoi? Parce que c'est vrai, c'était difficile, c'était pas facile de rester et de voir tes camarades de classe
déjà l'année prochaine, aller en classe de terminale, s'habiller, être chaud et tout ça. Et toi, tu retournes toujours dans les mêmes bancs. C'était pas vraiment évident. Mais je vous assure que ça a été l'un des moments, c'est-à-dire l'un des moments les plus importants de ma vie. Parce que cet échec-là a déclenché en moi quelque chose. Cet échec-là a réveillé quelque chose en moi. Et à partir de ce moment, j'ai pris la décision de conduire ma vie. J'ai pris la décision d'avancer dans ma vie. J'ai pris la décision que peu importe ce qui arrive, peu importe les obstacles qui arrivent, c'est juste là pour nous tester. C'est juste là pour savoir si tu es vraiment prêt, si ce que tu veux accomplir, si là où tu veux partir, tu peux imaginer 12 de moyenne à échec. Ça veut dire que je n'ai même pas eu 9 de moyenne. C'est ce que ça veut dire cet échec. Je n'ai même pas eu 8,50 pour arriver aux délibérations. C'est impossible. Mais je n'ai pas fait de recours. Je ne me suis pas attardé sur ça. Mais quand j'étais seul, je vous assure, ça me faisait vraiment mal. Les gens avaient beaucoup peur de ma réaction parce que j'avais l'air très free et j'avais accepté. Mais ce n'était pas vraiment facile. Mais ça a été le tournant de ma vie. Dans tous les domaines que ce soit. Spirituellement, physiquement, mentalement même. J'ai commencé à me préparer. J'ai commencé à être prêt. Et en ce moment, j'ai pris ma vie en main. Si toi aujourd'hui tu m'écoutes, si toi aujourd'hui tu traverses des problèmes, des difficultés, si toi aujourd'hui tu as l'impression que rien ne marche dans ta vie, tu as l'impression que c'est tellement difficile. Moi, je veux qu'en regardant cette vidéo, que tu comprennes que ce qui t'arrive, tu peux le supporter. Tu peux le supporter et je suis sûr que tu vas le supporter. Quand tu vas le traverser, rien ne pourra plus t'arrêter. Je vous assure, rien ne pourra plus vous arrêter. Il faut juste comprendre que ce qui arrive maintenant est passager. Ce qui arrive maintenant, c'est juste là pour un temps. C'est juste là pour un temps. Je n'ai pas eu les détails. Peut-être dans certaines vidéos, j'entrerai en détail dans certains points aussi qui ont contribué à forger ce caractère-là, qui ont contribué à faire transformer ce roc qui est en moi, qui croit que tout est possible et qui fait tout et continue d'avancer. Si tu connais une personne qui traverse des moments difficiles, si tu connais une personne qui traverse, qui pense que tout est fini pour elle, que ce soit ton ami, ton frère, envoie-lui cette vidéo. Envoie-lui cette vidéo parce que je suis sûr que cette vidéo pourra créer quelque chose en lui, pourra créer ce déclic-là, pourra créer quelque chose de waouh dont nous tous nous avons besoin. Olivier Dongui pour vous servir. Je vous reviens très bientôt. Ciao. Je vous aime très fort et sachez que l'Afrique nous appartient. L'Afrique compte sur nous. Je sais qu'on va y arriver. J'ai foi en cela. Merci.